Togo est fou. Le Togo à votre portée. J'ai décidé quand j'ai écouté un député qui nous dit à la personne de Thierry Tama, qui dit que donc il faudrait que les gens nous laissent tranquilles avec ce dossier de Vincent Bolloré, il n'est pas le seul député, que s'il y a des gens qui doivent revendiquer, c'est les candidats aux élections présidentielles en 2010. Vous voyez un peu la culture donc, de ces députés-là, ces buveurs de lait. Vous voyez comment ils réagissent. Non, c'est quand même triste. Non, c'est pourquoi je dis que ce sont des gens qui ont été cooptés. Donc aujourd'hui, vous voyez, tous ceux qui disaient qu'ils étaient des députés nommés, aujourd'hui, donc le temps leur donne raison. Oui, le temps leur donne raison, parce que vous ne pouvez pas être un député et sous-entendre l'élu du peuple, représentant du peuple, et on parle donc d'une affaire de corruption qui concerne le peuple, qui concerne le patrimoine national. Vous sortez, vous prenez un soi-disant communiqué ou une soi-disant réaction sur les réseaux sociaux et vous demandez à ce que les gens vous laissent tranquille. Vous n'êtes pas le seul député. Et s'il y a des gens à revendiquer cela, c'est les candidats de 2017. Et si lui, il a un conseil à donner aux gens, c'est d'aller chercher l'argent. Vous voyez un peu la mentalité de ces personnes-là. C'est quand même triste que le Togo soit tombé bien bas avec ces messieurs-là. Mais bon, voilà, quoi. On ne peut rien. Peut-être un beau jour, se le verra. Et tout le monde sera sûr. Normalement, si on va dans un pays normal, tel que je l'ai dit aujourd'hui, il y a un journal de Guardian qui a essayé de résumer un peu du moins tout ce dossier en quelques phrases. Il disait que Fonia Simbe, le président Togolais, doit démissionner. Il dit que M. Vincent Bolloré doit être mis en prison. Et puis, il dit que le contrat doit être résilié. Normalement, c'est la meilleure procédure. C'est la meilleure des choses à faire. Maintenant, il y a une phrase magique que beaucoup répètent souvent, c'est que c'est le 228. Sans mon Togo. Sans mon Togo, c'est triste.